J'enlève cette barricade. Oh putain. T'as un délire. Mais généralement, quand tu commences ce genre de vidéo, t'es plutôt serein, tu vois. Tu commences pas cette vidéo avec une tête bouffie de quelqu'un qui dort très peu depuis 2 jours. Mais j'avais envie de vous embarquer avec moi pendant 24 heures de galère sûrement. Ouais, parce qu'avec les gars, avec l'équipe, on enchaîne les galères pendant nos vacances. Notre Airbnb nous en fait voir de toutes les couleurs. Et là, je suis hyper prudente en arrivant dans ce magnifique salon. Voici, magnifique, hein, bien sûr. Parce que hier, on s'est fait attaquer. On s'est fait attaquer par des frelons. À 23h, entre 22h et 23h, on n'a pas réussi à les têcher, il y en avait deux. Et du coup, ils sont toujours là, on ne sait pas où. Regardez, je peux même vous montrer, on était en plein tournage. On était en train de faire une vidéo pour Sora, une super vidéo, et on a du tout, tout quitté pour se réfugier dans la chambre. Parce que des frelons, c'est pas rien quoi, c'est quand même assez énorme. Donc c'était un petit peu la galère, et il est même pas 8h, il est 7h30. Je suis en vacances, hein, tout va bien. Et petit chien là, voyez-vous, n'arrête pas d'aboyer. Et donc je vais aller lui dire bonjour. Qu'il arrête. T'as fini? T'as fini d'aboyer? Bah alors. Et ouais, on joue un petit peu les pet sisters pendant ce séjour. C'est un cadre quand même idyllique. On a réservé cet endroit parce qu'on aimait beaucoup le fait que ça soit en pleine forêt. On a, j'ai envie de dire, on avait des idées de tournage top. Et on ne sait pas si on va pouvoir les réaliser. Parce qu'il nous arrive que des galères. Mais regardez-moi cette tête. Regardez ces cernes. Ça fait 2 jours qu'on est là et j'ai dû dormir en tout 4 heures. Je ne dors pas. Il nous arrive que des merdes. Le nid, il doit être par là, en fait. Il doit être par ici, quelque part par là. Et en fait, hier soir, elle sortait, en fait, de là. On en a vu deux. Mais là, pas, voilà, le souci, c'est qu'elles ont disparu dans la journée. On ne sait pas. Il nous arrive que des merdes la nuit en fait, je vous jure. Je vous montre quelques images pour que vous puissiez constater notre détresse. Voilà. Ouais, je le vois. Voilà, il est là. Journal de bord. Nous sommes le 28 juillet. 1000h. Je sais même pas, pratiquement 20h, voilà. 23h, excusez-moi, je suis un peu perturbée. Pourquoi? Parce que je suis avec Sora. J'ai déjà la tristesse de la situation déjà. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Frites, nous sommes dans des états quelque peu à se poser des questions en fait. Désastreux, pourquoi? Car nous avons... un nid de frelons. Voilà. Juste à l'extérieur de notre Airbnb. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mur? Juste au-dessus du salon. Un trou. Donc est-ce donc nid de frelon plus trou plus lumière égale la invasion de frelon dans le salon. Voilà, on a une invasion, donc on est dans la merde, on était en train de tourner une vidéo, on a dû tout quitter pour se réfugier dans notre chambre. Notre chambre qu'on partage à 4 parce que niveau sécurité c'était pas foufou. Voilà, hein. Et on s'est fait du coup des armures de fortune. Moi je suis de classe tank. Ici on a la classe. Des trackers, Harry Potter. Micromancien, voilà. Et ça, on a la classe Béda. Et moi, c'est la classe, on se débrouille avec ce qu'on a. Et moi, je suis la classe soldat, je vais foncer. Et là, du coup, on va partir sur un bail de. Bah, en fait, on va rusher jusqu'à la porte, jusqu'à l'extérieur, en fait. Non, si un front on pique là, voilà, c'est ça. On meurt. C'est pas genre, c'est pas abeille, c'est les frelons, c'est très dangereux. Ils le disent. Ouais, il y en a pas qu'un, c'est un nid. Ils arrêtent pas de rentrer. T'as un espèce de nid qui se forme et c'est très dangereux en fait. Et donc, du coup, là, notre plan en fait, c'est qu'on a quand toute la lumière, sauf que les frelons commencent à s'accumuler dans le salon. Donc, on va rusher, ouvrir la porte, mettre la lumière à l'extérieur et ensuite bah, revenir ici et attendre que bah, tous les frelons partent en fait. Voilà, donc du coup, souhaitez-nous bonne chance. Et du coup, sachez que oui. Ces accoutrements ne sont pas très incroyables, mais croyez-nous que notre estime pour nous-mêmes a baissé d'un cran. Même de deux. On a. Est-ce que ça nous étonne avec notre karma de merde dans nos vies? On a raté nos vacances en Suède par une pandémie mondiale. Voilà, on et maintenant. Maintenant un nid de frelon. Un nid de frelon improbable, improbable. Quel sera le prochain cataclysme? Lequel?
Croyez-moi, plus d'une fois, on a hésité à partir, rongé par la fatigue. Mais regardez-moi cette tête! On dirait que l'instant d'après, on va crever! Là, j'étais en train de songer à quelle mort serait la moins douloureuse pour moi! Non, sans déconner, après au moins 3 heures à comater dans le lit, on a réussi à se motiver et à se lever. Bonjour Sora. Faites-nous une update de ce matin, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé plein de choses. Nous nous sommes réveillés, ce que déjà un exploit, parce que franchement, on n'est plus trop sûr de rien. Et ensuite, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Voilà. Embêtant, quand même, au final, quand tu dois marcher. Exactement. C'est un peu embêtant. Donc, j'ai un petit peu checké mon pied, et je trouvais que j'avais un énorme bosse, assez violette, en fait. Pas très agréable. Ouais, sous le pied. C'est un peu mon meilleur endroit. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on est allé à la pharmacie. Avec Riri pour voir un petit peu ce que c'était. Et en fait, c'est une écharde que je me suis pris sur le je sais pas si c'est un parquet de la terrasse en fait. Sauf qu'il est super. Sauf que je sais pas s'il est mal posé. Enfin, il est mal posé. Ou alors il est trop vieux, je ne sais pas. Mais en fait, il rebique un peu. Du coup, je me suis enfoncé une écharde dans le pied, mais bien profondément. Du coup, ça a commencé à s'infecter. C'était génial. J'ai demandé au pharmacien et le gars commence à me dire: ouais, bah, tenez une aiguille, tenez les infectants, bonne journée. Et boum, il a fermé la pharmacie. Un plaisir. Du coup, je suis rentré, j'ai pris mon aiguille et mon désinfectant et j'ai dû me retirer mon écharde. J'ai réussi. Ouais, t'as réussi. J'ai réussi, sauf que bah, j'ai encore un peu mal au pied parce que bah, en fait, je me suis planté l'aiguille dans le pied un peu trop profondément. Du coup, je me suis enlevé une écharde, mais je me suis planté une aiguille. Donc j'ai encore un peu mal. Et ensuite, on a commencé à essayer de voir ce qu'on peut pour sauver les meubles au final. Exactement. On est au moins un tournage chacun. Et là, du coup, on s'apprête à tourner la vidéo de Riri et ma vidéo à moi pour être au moins tranquille. Voilà. Donc on part sur son tournage et se libérer après. Moi, c'est fait et cet homme, cet individu là-bas assis comme une grosse. Je vous fais une petite update de nos soucis avec les frelons. En fait, ce matin à 9h30, alors qu'il était attendu à midi, un monsieur est venu, un pompier est venu pour constater qu'il y avait bien des frelons, à croire qu'on mentait. Et en fait, il nous a tout simplement dit qu'il revenait à 18h avec des produits pour tuer ses bébêtes. Mais que ça pouvait prendre 3 jours pour agir. Yes, on part dans 2 jours. Cool. Voilà comment ça se passe les débuts de tournage, enfin les préparations. Marie? Ouais. Ça va? Tu te prépares? Je suis ravie, je... Ah, yes. Tout ouais, et tu penses à la transpiration, ce problème qu'on a? Ouais, c'est génial. Ouais, si on tourne dehors. Ouais, ça va? Dans 20 minutes, rien de pas. Sérieusement, dites-nous si vous avez le même souci que bah, justement nous, au niveau de la transpiration. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est tout le temps en noir. Ouais, c'est pour ça. Là, je me dis, je fais un effort. On va faire des tournages de type on bouge, donc je me mets en mode armé, tu ouais, vois. Ouais, là, t'es en mode Lara Croft, clairement. Mais ça ne passera pas, ça ne passe ouais, pas. Ouais, le souci, c'est que voilà, pourquoi je m'habille en noir, pourquoi elle s'habille en noir, c'est qu'on transpire, voyez-vous, et qu'après, ça se voit et ça fait pas très joli, quoi. En exclusivité, vous avez Dimitri le gay. En exclusivité, the behind on the scene d'une vidéo. Waouh. Celle de Sora. Bah c'est quoi le behind the scene? On va commencer par ranger la table. Allez hop là. Tu vas commencer par baisser cette exposition. Mais qui l'a mis comme ça l'expo en fait? Parce que frère, qui a touché la caméra? Regarde, ça c'est beaucoup mieux frère. Si tu vois, je peux être technicien pour toi meuf. Bah meuf, forcément t'es devant. Regarde, bouge. T'as acquis cette chaussette. Là, le truc c'est que c'est beaucoup trop expo. Voilà, là c'est bien. C'est bon là? Bah, ça sera notre truc, c'est vrai que ça a fait trop chaud. Ah ouais. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est une vidéo. Voilà. Non mais, mec, j'assume totalement, c'est une vidéo. Là. C'est une vidéo 24h avec nous et nos délires et tout, voilà comment on est quoi. Nos délires quoi. Voilà, et les fails aussi de caméra. On est trop délire, on est trop fun quoi. On est fun quoi, j'espère que vraiment, on s'amuse ça. Marie, tu nous sauves, finesse, vraiment que tu rentres dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il dit des conneries comme d'habitude. Est-ce que ça change vraiment? Est-ce que c'est pas un peu nos habitudes qui disent des conneries? On est amis ou pas? Marie! Oh, je sais pas si je me suis habituée au fil des années ou si juste ton seuil de la vente. Je me demande si elle va être gentille ou pas. Je ne pense pas. La phrase, la forme va être mauvaise. Un bon taquet au niveau de la gorge. Ouais, un bon petit coup de poing. Non, mais avant, vous me faisiez là. Elle est toujours méchante avec nous. Alors que nous, on est gentils. Ah, Nazgul, c'est drôle. Ouais! Nazgul, c'est drôle. Je comprends même plus la discussion, mais c'est pas grave. Marie est en pleine préparation pour sa vidéo, regardez-moi ça. C'est comme ça que ça se passe. Regardez, admirez-la, elle pose ses caméras. Je pense que je la fais un petit peu chier, mais c'est pas grave. Tadam, j'ai mis mon micro. Je suis prête. Je suis prête. Marie, je suis prête pour ta vidéo. Incroyable.
prochaine de l'équipe. Waouh, regardez-moi ce professionnalisme! En exclusivité, vous avez quelques secondes de la prochaine vidéo de Marie. Ce plan me fait trop rire, on dirait qu'on est super sérieux et tout, alors que pas du tout. Ou sinon, nous sommes des élèves qui attendons notre photo de classe. Et on a directement enchaîné avec le tournage pour la chaîne de Sora. Je sais pas ce que je fais, honnêtement, je sais pas... C'est juste très gênant, oh my god. Tournage une nouvelle fois interrompu, car le pompier de ce matin est revenu défoncer la gueule des frelons. Honnêtement, j'ai eu peur pour lui, mais tout s'est bien passé. En tout cas, je peux vous dire que pour le tournage de Sora, Frit et moi, on s'est donné, hein. On s'est même mouillé. Et c'est une fin de tournage, regardez, on a commencé à 14h. On a dû commencer vers 14h15, et regardez le soleil où il est, il va être 19h, mais... Tu veux une Cuba? Non, j'ai pas soif, moi la paix. Orangina, tu veux pas d'Orangina? Non. Non mec, va-t'en. Tu m'as épuisé, ton tournage, m'a épuisé. Mais d'où toi tu veux une Cuba? Non, je veux pas de Cuba. Ah, on est totalement claqués. Par contre, ça va faire des super vidéos. C'est du jus. Et notamment. On espère que vous allez être contents. Ouais, la chaîne de Sora, il y aura une vidéo un peu challenge. En fait, des deux en fait. Ouais, je sais, voilà, je suis désolée. C'est T-Rex de l'autre côté, mais. Mais je m'en fous. C'est un vlog 24 heures, parfois rien n'est parfait. Ok. Alors, Sora, c'est un challenge amitié et Marie, c'est spécial photo. Ouais. Un challenge photo qui était super cool à faire. Et donc, du coup, voilà, vous allez découvrir ça dans les prochaines semaines à venir. Quel est le programme de cette fin de journée? Piscine. Boire de l'eau. Piscine. Barbecue. Non, le barbecue. Barbecue. On avait dit coquillettes. Un riz de coquillettes. Une recette qu'on a fait ensemble. Oui. On va faire le coquillette risotto là de Sora. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique. Là ou pas. On part sur de la cuisine. On est des petits cuisiniers hein, tous les deux. Depuis le confinement, alors c'est pas des trucs de ouf, mais depuis le confinement, frère, je suis là. Moi, c'est pareil que toi. Tu me donnes une recette, je te la fais. Ouais, je suis pas capable d'improviser. Mais sinon, nos recettes, je peux la faire. Oh, ils sont trop mignons, ils évitent de trop parler parce que je fais mon 24 heures avec l'équipe. Ta gueule! Ah, oh, c'est pas 24 heures, putain, j'avais même pas compris le concept de la vidéo. Non, j'ai même pas dit. Pendant 24 heures de galère, sûrement. C'est un vlog 24 heures, parfois rien n'est parfait. Parce que je fais mon 24 heures avec l'équipe. Ouais, non, c'était un 24 heures avec nous pour que les gens puissent un peu nous voir quand on est hors caméra. Est-ce que vous êtes déçus? Ouais, d'ouf. Zéro hésitation de la part de l'Ouest français. Zéro hésitation. Déçu, ils ont des vies de merde. Moi, franchement, bah, ouais. J'aime bien ma petite vie de merde. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Alors, hier soir, on disait pas ça. Ah oui, avec les frelons et tout, non, c'est pas ça. Mais on aime bien notre petite vie entre potes, là. On est bien. C'est l'heure de dormir. Le démaquillage se ressent dans cette tête. C'est cerne. Oh god. Vous connaissez ce pote qui va tout le temps se coucher en premier? Eh bien c'est moi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce 24 heures avec nous. Voilà, j'avais envie de vous faire partager une vidéo un peu plus personnelle de ce que je vis un peu au quotidien, voilà, quand je suis avec mes amis. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Une meilleure gueule. En attendant, portez-vous bien. Salut. Très féminine, ouais, hein. Franchement, les petites jambes, là, on aime. Oh oui, yes. Ah, vous disposez dans la salle de bain? Attendez. Respectez-moi.